du peuple. Votre magazine des informations, traitements et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicités de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Bonsoir mesdames et demoiselles et messieurs et bienvenue chers téléspectateurs. Nous vous signalons que c'est l'heure de votre émission du magazine Info du peuple. Nous recevons pour vous aujourd'hui le journaliste, le dojo du magazine, M. Ben Kadé Kabantou, qui est analyste politique. Il va nous analyser sur quelques sujets ce soir. Bonsoir, M. Ben Kadé Kabantou. Oui, bonsoir, madame la journaliste Allégresse Kabantou. J'ai dit aussi bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Vous êtes amoureux de ces magazines d'information Info du peuple, donc j'ai le plaisir d'analyser ensemble avec vous les questions d'actualité qui fâchent, qui divisent les Congolais. Ok, merci. Sans plus tarder, nous allons d'abord demander au régie de pouvoir nous balancer quelques images sur la fédération de Matete qui est chapeautée par M. Arsène Batelapa, tout en remerciant leur autorité morale du parti d'avoir nommé quelques agents pour la restructuration du parti politique. Régis, balancez-nous quelques images. Par rapport à ce qui est la personne de notre président national, l'honorable docteur Vital Kamerhe, Kamerhe restera un homme redoutable dans la classe politique. Personne n'avait accordé la chance à notre président national lorsqu'il a été demandé de démissionner des forces au cachet de l'Assemblée nationale. Le président national, c'est un homme de vision. Ça, je vous rassure, il a la vision de l'aigle. L'aigle plane, mais avec une vision qu'il observe tout ce qui se passe. C'est ça, Kamerhe. Kamerhe prend la décision avec sa vision de créer les partis d'INC. Personne n'a donné confiance à l'INC de sa création. Aux élections de 2011, l'INC sort troisième aux élections présidentielles avec 1,5 million voix que notre président a obtenu. Personne ne lui a accordé cette chance. Mais en rapport avec les nominations, quand le président prend la décision, lui-même sait. Le président a la grande expérience de ces partis chers que nous sommes des membres. Ok, merci Ben Kadé Kabantou. Nous venons de suivre les images de l'INC Matete. Nous disons, mais le leader est encore en prison, mais apparemment le parti de l'INC continue toujours à fonctionner comme si lui-même il était là. Et sans plus tarder, nous venons de suivre les procès en appel de Vital Kamerhe. Je me dis, parce qu'ils sont en train de fonctionner parce qu'ils savent que Vital Kamerhe sera libéré d'ici peu. Ou quelle chance pour ces procès d'appel? Merci madame pour cette si belle question d'actualité. Je voudrais d'abord placer un mot par rapport à l'élément que Jonathan l'a tout à l'heure, que je salue ici, qui est notre héros dans l'ombre, nous a présenté ce soir cet élément de l'UNC, Fédération de Matete, qui renaît encore de ses cendres, qui rebondit avec force. En tout cas, il faut saluer la bravoure de ce nouveau fédéral, Arsène Batelapa. C'est quelqu'un qui vraiment assume ses responsabilités. Il veut laisser écrire son histoire à Matete. Je le salue et je l'encourage. Bon, Vital Kamerhe est en prison. Tout le monde se pose cette question, mais quelqu'un qui est en prison, j'ai eu même
à faire une réflexion journaliste, comment quelqu'un qui est même incapable de se présenter au procès parce qu'il est malade, mais il est en train de faire la restructuration de son parti politique. Je dirais tout simplement que c'est la tête qui fonctionne, malgré les corps peut-être faibles, mais l'esprit, le mental, vous comprenez madame, l'intelligence, Kamere c'est l'intelligence. Voilà, malgré qu'il est en prison, il est malade aussi, mais il a vu quand même qu'il faut verrouiller le parti. Si vous regardez vous-même la restitution du parti, vous sentirez que l'esprit de Vital Kamerhe s'est donné la chance à la jeunesse. J'en profite pour saluer les heureux promis, entre autres Billy Kambalé, un jeune qui venait d'être ministre de la jeunesse. Donc c'est la jeunesse que Vital Kamerhe veut donner la chance. En tout cas, nous encourageons, nous sommes aussi jeunes et nous soutenons ces jeunes-là. Je vois Bertin Mugunzi qui, quand même, l'Union Sacrée lui a donné la chance de chapeauter la commission de défense en remplaçant Madame Jeannette Kabila au niveau de l'Assemblée nationale. Là, il a eu la chance du chef de l'État. Le chef d'État a désigné ce jeune homme. Ce jeune homme qui est en train d'écrire son histoire dans la classe politique congolaise. Et voilà, l'UNC, par le biais de leur président national, Vital Kamerhe, c'est de lui qu'il s'agit, a pris aussi l'option de placer Bertin Mugunzi au niveau de la ville province de Kinshasa pour chercher à impulser ce parti politique. Maintenant, il y a eu une question, madame, que nous devons nous poser. Nous sommes journalistes, parce que notre souci, c'est d'éclairer la lanterne, c'est d'éclairer nos téléspectateurs qui aiment ce magazine Info du Peuple. Posons-nous cette question. L'UNC est en face de deux choses. Soit la libération de Vital Kamerhe, acquittement, pire simple, ou sa condamnation définitive. Vous comprenez? Oui. Alors, je venais de suivre le nouveau OCG qui, dans l'usine des chaînes de la place, il a dit, si Vital Kamerhe ne serait pas libéré, nous allons prendre des options politiques. C'est-à-dire? Il a dit, la population sera dans la rue chaque jour. Et je sens déjà la rupture de la coalition cash. Parce que cash, c'est l'UNC. Oui, les autres sont venus après. Les génitaires de la coalition cash. Par là, ils veulent dire que l'UNC maintenant sera à l'opposition. Automatiquement, parce que ça, c'est ça. Et c'est là où je comprends pourquoi Vital Kamerhe a pris l'option de prendre un jeune comme Billy Kambalé pour le placer à la tête de ce parti politique. Vous comprenez? Le choix de Billy, c'est le choix de la révolution. Parce qu'on s'est dit, si ça ne tient pas, nous allons rompre avec le tshisekedisme, avec le cash, avec le fativit, pour opter à l'opposition. Et pourquoi rompre avec le tshisekedisme au moment où ce n'est pas le tshisekedisme qui a porté plainte contre Vital Kamerhe? Madame, une très bonne, belle question. Oui. Et nous devons répondre cela aussi rationnellement parce que nous sommes journalistes et puis n'oublie pas, il y a aussi l'opinion journalistique que nous devons insérer dedans. Oui, parce que selon les propos de Billy Kambalé, mais le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est ça. Il a évoqué également l'intervention du chef de l'État dans la situation des nominations des députés. Quand les députés, vous savez, après la première arrêt de la Cour, on dit arrêt, il y a les juristes qui peuvent nous aider à ça. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il y avait quelques députés qui étaient lésés. Entre autres, nous avons vu des Daniel Safo dormir à la Cour constitutionnelle. Dehors, c'était du catastrophe. La justice congolaise était dans, madame, je peux dire même, dans la boue. Alors nous avons vu le chef de l'État étant qui est garant des bons fonctionnements des institutions, du bon fonctionnement des institutions, voulais-je dire, il a interféré pour régler cette situation-là.
Alors, il est aussi capable aujourd'hui de corriger les erreurs de la justice. Parce qu'il y a des erreurs dans ces procès sans jour. S'il faut que j'analyse ça, il y a beaucoup d'erreurs, madame. Je ne suis pas juriste, je suis journaliste. Mais au moins, dans le rôle que nous avons de présenter des faits et d'analyser sur ce fait-là, de traiter l'information, on trouve beaucoup d'erreurs dans ces procès sans jour. Alors, les chefs de l'État ont aussi le devoir d'interférer en tant que garant. Il est le patron, c'est lui le magistrat suprême, n'oubliez pas. Donc, le chef de l'État pourrait aussi intervenir sur cette situation et corriger les erreurs, madame. Il est le magistrat suprême. Alors, c'est de là où l'UNC se positionne pour attendre cette intervention du chef de l'État. Pour aider. Parce qu'au cas contraire, ils seront dans l'obligation de rompre avec la coalition. Ok, au cas contraire, il sera dans l'obligation de rompre avec la coalition appelée CASH. Ok, merci M. Ben Kadeka Bonto. L'opinion a été déjà éclairée par rapport au procès en appel de Vital Kamerhe. Si nous pouvons passer déjà à la deuxième question, nous avons vu sur YouTube, vous avez titré votre journal d'hier. On a suivi le journal d'hier que c'était Parlons affaires crédit, carte crédit, affaires carte crédit, visa, nouvelle tournure pour la politique en RDC. Cela veut dire quoi? Ça a vraiment étiqueté d'autres, plusieurs personnes qui ont suivi les journaux sur YouTube. Pourquoi ces titres? Quelle était votre motivation par rapport à ces titres? Oui, merci beaucoup madame pour cette question. C'est un titre que nous avons eu à illustrer parce que l'actualité dominait sur ça. Une nouvelle tournure pour la République démocratique du Congo. C'est juste pour dire ceci. Nous sommes journalistes, nous devons quand même faire voir à la population nos Congolais qui sont partout, nos compatriotes de l'Europe, qui vont nous suivre également sur notre chaîne YouTube Info du Peuple TV, dont je les invite à s'abonner massivement. Ceux qui nous suivent déjà à la télé, maintenant où nous sommes en train de faire cette émission, madame, doivent savoir ceci. Les voleurs de la République démocratique du Congo montent au créneau. C'est pour cela que j'ai dit une nouvelle tournure. Parce que nous sommes en train de fermer la page des détourneurs dans ces pays. Là, je salue le travail qu'a les chefs, l'inspection générale de finances. Combien de problèmes avons-nous dans ces pays? Combien de problèmes avons-nous? Nous avons, vous savez que le gouvernement avait proclamé l'état de siège sans un budget. C'est à peine même que le gouvernement a mis à la disposition de ses gouverneurs militaires un budget pour pouvoir traquer les rebelles à l'est du pays. Il n'y avait pas d'argent. Quand la République sombre, mais il y a des individus qui ont des cartes crédit. Et un journaliste, Israël Mutombo, trouve une source. Cette source lui alimente de telles informations. Il vient, il traite ça, il diffuse, il accomplit la trilogie journalistique. C'est ça le professionnalisme, madame. Et je l'encourage, mon frère, nous sommes derrière vous, continuez. Mais si ce sont des mensonges, attention. Parce que comment pourrait-il être de mensonges au moment où c'est déjà votre chose? C'est que ce sont des choses vraies, c'est que ce sont des vérités. Oui. Bon, en fait, les journalistes se confient. Dans notre profession, les journalistes se confient à une source. Quand cette source-là souvent alimente ces journalistes avec de bonnes informations. Je n'enseigne pas les journalistes ici, mais du moins, il y a trop de parvenus dans cette profession. Ils peuvent aussi profiter de cette émission pour être enseignés. D'ailleurs, c'est aussi le rôle de la télévision. C'est aussi notre rôle, informer. C'est ça le rôle du média, informer, former et divertir. Nous sommes toujours dans la trilogie. Vous comprenez? Ça tourne. Donc, chaque journaliste a une source. Et quand tu as une source crédible, la source peut aussi boiter. C'est pour cela qu'il faut traiter l'information.
Mais par rapport à l'hybridité sur cette information, par rapport au sérieux qu'Israël Mutombo a utilisé, je vis mon aîné, le président Papi Tamba, aller jusqu'au plateau d'Israël Mutombo pour lui demander de demander pardon et de retirer ses propos. Il a dit non. D'ailleurs, je vais citer les noms. J'ai la liste ici. Alors, madame, j'ai à suivre l'IGF, Gilles Alinguette. Je crois que Jonathan Lotoutala peut nous aider à illustrer cette image. L'IGF a dit ceci. Nous, je suis en train de démontrer pourquoi j'accepte la source d'Israël Mutombo, c'est ça. Gilles Alinguette a dit, nous avons changé de méthode de travail. Parce qu'auparavant, l'IGF existait. Menait aussi des enquêtes. Il avait aussi des informations, des éléments confirmant des détournements. Même à l'époque, pendant les 18 ans du raïs Joseph Kabila Kabange, l'IGF fonctionnait et avait aussi des éléments. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'IGF enquête une entreprise, il a les éléments, il prend ces éléments-là pour amener au décideur, c'est-à-dire la justice. Et les mêmes personnes-là vont aller corrompre les juges et les magistrats et ils vont étouffer les dossiers. C'est pour cela, pendant Kabila, le travail de l'IGF ne se sentait pas. Alors l'IGF, comme il, dans ce nouveau régime, est protégé, il a reçu vraiment des parapluies de la part du président de la République, que je salue avec référence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa tendre épouse, Maman Denise Nyakiro. Madame, l'IGF a changé de méthode. Maintenant, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est enquêter l'entreprise. Quand on a les éléments, nous les mettons à la place publique, la justice populaire. Okay. Alors, je comprends que notre camarade, notre confrère a eu quelques membres de l'IGF comme source de ces informations-là. Parce que l'IGF a dit, je commencerai à mettre à la place publique les noms des voleurs. C'est pour cela que vous remarquez que c'est seulement les voleurs qui sont agités. Mesdames et messieurs, si vous voyez des politiciens être contre l'IGF, il faut comprendre tout simplement, ce sont des criminels économiques. Ils ont pillé ce pays depuis longtemps. Mais, monsieur le professeur Muzolo Bambi, à l'époque de Joseph Kabila, alors qu'il était parmi des conseillers principaux à la présidence de la République, a dénoncé cela, madame. Il a dit, notre pays perd chaque année 10 à 15 milliards de dollars américains, au moment où on n'a jamais eu un budget de 5 milliards réalisable en République démocratique du Congo. Et 10 à 15 milliards de dollars sont en train de survoler pour des individus. Le Congo est pauvre, mais les individus sont riches. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir politicien. Même des professeurs cessent d'enseigner pour aller faire la politique. Les médecins ne veulent plus de piqûres. Il faut aller faire la politique parce qu'on s'enrichit facilement. Mais ce travail que l'UGF est en train de faire va décourager les gens à faire la politique. Et je m'aimerais corroborer avec une expression qu'avait utilisée Félix-Antoine Tshisekedi avant même de commencer la campagne électorale sur une chaîne de la place. Il a dit, je lutterai contre la richesse. J'ai vu plusieurs Congolais tragiques. Oh, il était contre la justice. Quoi? On a cherché cela dans les expressions françaises. Il voulait dire seulement, je lutterai contre les enrichissements illicites. Et c'est ça le travail que le chef est en train de faire aujourd'hui. Et les Congolais, même si nous n'aimons pas Félix, même s'il y a quelques histoires qui se passent avec ce régime de Félix Tshisekedi, que nous sommes en train de dénoncer, parce qu'il n'y a pas du parfait avec ce régime. Nous sommes des journalistes, nous devons rester impartials. Mais madame, nous devons saluer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des criminels. Nous savons aujourd'hui qu'il y a quelques personnes qui ont des cartes. Le trésor
Le trésor public, c'est notre argent, madame. C'est l'argent du contribuable congolais. Et un individu est là. Avec sa carte, il voyage. Des fois, il donne cette carte à son fils pour retirer de l'argent de la République. Et nous sommes là, nous allons acclamer. Le Congo appartient à un groupe de gens. Nous disons non. Et nous soutenons l'IGF. Et je demande à nos téléspectateurs de soutenir l'IGF. Inspection générale de finances. Ok, merci M. Ben Kale Kabanto. Il a dit qu'il soutient l'IGF. Nous aussi, un tiers téléspectateurs. Pouvez-vous soutenir aussi l'IGF parce que nous aimons tous le Congo. Merci. À présent, parlons un peu de la Ligue des Lumumba. Parce que d'autres journalistes disent qu'ils veulent prendre l'argent du Congolais pour ces 30 juin. Ils veulent approuver encore le Congolais. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas trop d'importance de rapatrier encore les camps de Lumumba ici au Congo aussi. Parce que les gouvernements veulent s'enrichir encore davantage. Quel est maintenant votre point de vue par rapport à cet événement du 30 juin? Bon, j'aimerais que lorsque vous disiez quelques journalistes, que vous puissiez être quand même précis. Il faut dire les journalistes de la droite. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons des journalistes de la droite et les journalistes de la gauche. Et nous, nous sommes restés au milieu. Vous, en tant que journaliste du milieu, oui. Qu'est-ce que vous dites? Je viens maintenant au milieu pour dire que Lumumba, c'est le héros national en République démocratique du Congo. Madame, si vous vous rendez aux États-Unis, il y a des boulevards Lumumba. Vous allez en Afrique du Sud, il y a même des monuments de Lumumba. En Afrique, n'en parlons même pas. Vraiment. Comment les autres peuvent avoir du crédit sur cette personne qui a accepté de sacrifier sa jeunesse? Il a perdu sa vie. Lumumba est consort. J'ai vu mon aîné Francis Kalombo cracher sur Kasavubu à cause des sentiments. Non, on ne peut pas jouer avec Kasavubu, on ne peut pas jouer avec Lumumba, madame. Je suis contre Francis Kalombo et je lui demande d'aller vite retirer ses propos. Vous savez, Kasavubu, c'est l'exemple de la meilleure gestion de la chose publique. Félix a essayé, mais une seule fois. Le premier voyage de Félix, il part, il vient, il retourne l'argent. Et aujourd'hui, il retourne encore. Non. Parce qu'il n'y a pas de Kasavubu aujourd'hui. Il faut que Francis Kalombo hâte vite d'aller retirer ses paroles. Cette émission qui se trouve même dans les réseaux sociaux doit être retirée. On ne peut pas jouer avec les héros. Si nous sommes indépendants aujourd'hui, il faut voir Lumumba, il faut voir Kasavubu, il faut voir les autres qui ont accompagné de Pierre Moulélé, d'heureuse mémoire. Et pour honorer Lumumba, vous voulez parler d'un budget, madame, pour honorer Lumumba, même si ça demandait des milliards. Alors, c'est bon, la première, mais c'est... Je suis en face de vous et je vous réponds. Madame, même s'il faut des milliards, la population congolaise peut me comprendre. Même s'il faut des milliards pour Lumumba, moi je suis d'accord. Deuxième chose, la politique de recette. Est-ce que vous savez que le pays comme l'Australie ne vit que sur le tourisme? L'Australie vit que pour le tourisme. Vraiment? Parce que nous sommes presque à la fin de ton émission, madame. Oui. J'aimerais te dire que, avec cette action, malgré aujourd'hui c'est déjà annulé, je ne sais pas pourquoi Félix a cédé. Pourquoi il a cédé aux gens qui sont des égoïstes, ils sont incapables de dépenser pour leur famille, des économistes exagérés, ils veulent amener ça dans la République. Madame, si on amenait la dent de Lumumba, on l'a placé à la place échangère, les gens vont commencer à venir voir ça. Nous n'avons plus des eaux. Oui. Nous n'avons plus notre jardin botanique, n'en parlons même pas. Nous avons seulement Kingakat. Ouais, ah bon? Oui. Oui, on peut faire aussi. Mais si on prenait seulement la dent de Lumumba, oui, on l'a placée à la place échangère, on crée un grand lieu touristique.
et les gens du monde entier qui ont élevé Lumumba dans leur nation commenceront à venir voir la dent de Lumumba et payer. Et cela va contribuer au trésor public dont les gens qui ont des cartes Visa vont voler cet argent-là. Et même ils sont là pour voler notre argent, mais ils sont là aussi pour combattre. Voilà les Congolais comment ils sont. Nous, nous sommes des Congolais, nous disons, chef de l'État, pourquoi vous annulez cela? Il ne faut pas annuler pour Lumumba, pour Kasavubu. Il faut même des milliards. Parce que ces gens-là ont donné leur vie. La vie n'a pas de prix, madame. Ces gens-là ont donné leur vie. Madame, parce qu'on n'a pas assez de temps, j'allais te parler des caoutchoucs rouges. Oui, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin par rapport à ces moments d'entretien que nous avons eu? Qu'est-ce qu'est appeler la population congolaise, qui est notre cheval de bataille, d'être vigilant, de soutenir l'UGF. Je ne demande pas les gens de soutenir Félix, mais de soutenir les institutions. Parce que Félix est un homme, il a ses failles, il a ses erreurs. Nous devons soutenir les institutions de la République pour le bien-être national, le bien-être de tous, de tous les Congolais. Parce que c'est ça notre souci. Je suis jeune, madame. Oui. Notre combat est que la jeunesse puisse se retrouver. C'est pour cela que je demande à la jeunesse congolaise de soutenir les actions de l'UGF et de leur dire, je dis encore ceci, tout cela qui s'agite contre l'UGF, ce sont des criminels économiques. Chers téléspectateurs, nous l'avions suivi. M. Belkale Kabantou demande que nous puissions soutenir l'IGF pour un Congo meilleur. Nous voici à la fin. Nous avons déjà dit, comme on l'a dit tantôt, nous sommes sur Mzendo TV. Votre émission se passe déjà ce soir. Et demain dimanche, à 7h juste, vous allez voir la rediffusion. Si vous avez aimé cette émission, nous disons merci à Jonathan Doutoutala qui était derrière la caméra et à toute l'équipe. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitements et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.